Nous sommes debout afin d'honorer la parole. Let us stand that we may honor the word. Nous allons lire trois portions de la Bible. We will read. N'oubliez pas le thème. Don't forget our topic. Une diaspora utile apporte le salut de la nation. A useful diaspora brings the salvation of the nation. Luc 6, 38. Luke chapter 6, verse 38. Donnez et il vous sera donné. Give and it shall be given unto you. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée, qui déborde. A good measure will be poured out unto you, pressed down and shaken together. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. For you will be measured with the mat that you measured with. On vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. You will be measured with the meat that you measured with. Jean 5, verset 7. John 5, verse 7. Je commence au verset 6. I start verse 6. 5 même. Là se trouvait verse 5. Un homme malade depuis 38 ans. Now a certain man was there for 38 years. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? When Jesus saw him lying there, knowing he was already sick in that condition, asked him, do you want to be made well? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. The sick man answered him, sir, I have no man to put me into the pool when the water is stirred up. Et pendant que j'y vais, but while I'm coming, un autre descend avant moi. Another steps down before me. Lève-toi, lui dit Jésus. Rise up, says Jesus. Prends ton lit et marche. Take up your bed and walk. Aussitôt cet homme fut guéri. And immediately the man was made well. Il prit son lit et marcha. He took up his bed and walked. Luc 5, versets 1 à 8. Luke chapter 5, verses 1 to 8. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth, as Jesus was by the sea of Gennesaret, et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, and the crowd was around him to hear the word of God. Il vit au bord du lac deux barques d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. He saw two boats standing by the lake and two fishermen gone washing their nets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Then he got into one of the boats which was Simon's. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre, puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. He asked him to put out a little from the land, and he sat down and taught the multitudes from the boat. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, when he had stopped speaking, he said to Simon, avance en plein eau et jetez vos filets pour pêcher. Launch out into the deep and let down your nets for a catch. Simon lui répondit, Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole, je jetterai le filet. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, on your word, I will let down the net. L'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons. And when they had done this, they caught a great number of fish. Et leur filet se rompait. And their net was breaking. Acclamons la parole, prenez place. Let's clap unto the word, you may be seated. Une diaspora utile apporte le salut de la nation. A useful diaspora brings the salvation of the nation. Mes frères et sœurs, my brothers and sisters, la vie est un rendez-vous du donner et du recevoir. I speak. Life is an appointment of giving and receiving. Alléluia. La vie, life, est un rendez-vous du donner et du recevoir. Is an appointment of giving and receiving. Si toi dans la vie tu es seulement dans le recevoir, if in life you are only about receiving, et tu n'es pas dans le donner, but you are not into giving, tu échoueras. You will fail. Personne n'entrera dans tes combats. No one will enter your struggles. Alléluia. La Bible nous dit que lorsque Tabitha Dorcas est morte, the Bible tells us that when Tabitha Dorcas died, des veuves sont venues en présentant les vêtements. Widows came showing her clothing. Et ont prié à Pierre de la ressusciter parce qu'elle leur avait donné des vêtements. And they prayed to Peter to raise her up because of all the things she's done for them with the et clothes. Et Pierre a prié, elle a été ressuscitée. And Peter prayed and she resurrected. Pensez-vous que si Tabitha n'était pas utile dans sa société, on allait prier pour qu'elle ressuscite? Do you think if Tabitha was not useful in her society, they would pray for her to resurrect? Elle ne serait pas ressuscitée.
She would not have been resurrected. C'est grâce à son utilité dans la société qu'elle a été ressuscitée. It's because of her usefulness in her society that she's been resurrected. Les personnes inutiles, on les enterre. Les personnes utiles, on les ressuscite. Useful people, useless people are buried and useful people are resurrected. Je répète cela, les personnes utiles, on les ressuscite et les inutiles, on les enterre. Let me say that again. Useful people are resuscitated, but useless people are buried. Jésus lui-même dit, donnez et on vous donnera. Jesus himself says, give and it shall be given unto you. Et ce n'est pas d'abord dans la notion du panier des offrandes. But it's not only in the notion of the basket for offerings. C'est dans la notion des relations humaines. But it's in the level of relationship, human relations. C'est dans la vie. If in life, tu n'aides pas les gens, you don't help people, les gens ne t'aideront pas. C'est ce que la Bible dit. People will not help you either. That's what the Bible says. Et quand même on t'aidera, and even though you will be helped, on va t'aider selon que tu aides les autres. You will be helped to the level that you help others. On utilisera envers toi la mesure que tu utilises quand tu aides les autres. You will be used unto you the same measure you use when you help others. Mes frères et sœurs, my brothers and sisters, tout est dans la Bible. Everything is in the Bible. Tout est dans la Bible. Everything is in the Bible. Il n'y a pas un livre comme la Bible. There is no other book like the Bible. Et il contient toute la sagesse pour réussir dans la vie. It holds all the wisdom for success in life. Et nous voyons là. And we see here, Jésus-Christ guérit un malade. Jesus Christ heals a sick man. Qui était là pendant des années, 38 ans. He was there for so many years, 38 years. Et personne ne l'aidait. No one could help him. Les gens se jetaient dans la piscine avant lui. People would throw themselves in the pool before him. Mais quand Jésus-Christ le guérit, but when Jesus Christ heals him, il lui dit, lève-toi. He tells him, stand up. Prends ton lit. Take up your bed. Et marche. And walk. Le lit. The bed. C'était le lit qui le portait lorsqu'il était paralytique. Was the bed that used to carry him when he was paralyzed. C'est avec ce lit qu'on le déplaçait. It was with that bed that they would move him around. C'est avec ce lit qu'on le transportait. It was through that bed that they could carry him. Mais lorsqu'il a été guéri par Jésus, but when Jesus healed him, Jésus lui a dit que c'était son tour maintenant de transporter le lit qui le transportait. And Jesus told him that it is now his turn to carry the bed that used to carry him. Il est temps que tu puisses aider ton père qui t'a transporté. It is time for you to help your father. Ta mère qui t'a transporté. Your mother who carried you. La nation qui t'a transporté. The nation that carried you. Il est temps que tu aides ceux qui t'aidaient. It is time for you to help those who used to help you. Il est temps que tu donnes à ceux qui te donnaient. It is time for you to give to those who gave to you. Il est temps que tu soutiennes celui qui te soutenait. It is time for you to support those who used to support you. Il est temps que tu puisses aider celui qui a payé ton billet pour que tu viennes ici. It is time for you to help the person who paid your ticket to come. Il est temps que tu puisses aider ton père qui a payé tes études. It is time for you to help your father who paid his studies. Il est temps que tu puisses aider ton frère qui a fait un sacrifice pour toi. It is time for you to help your brother who sacrificed for you. Il est temps que tu transportes le lit qui t'est transporté. It is time for you to carry the bed that used to carry you. Car c'est un rendez-vous. Because it is an appointment. Du donner. Of giving. Et du recevoir. And receiving. Le lit te transporte. The bed carries you. Quand tu es guéri, once you are healed, toi aussi tu transportes le lit. You also carry the bed. Ça part. It goes, et ça revient. And it returns. Jésus, Jesus, pressé par la foule, pressed by the crowds, auprès du lac de Génézareth, by the lake of Genezareth, il ne sait plus rester sur le rivage. So he can no longer stay on the seashore. Parce qu'ils sont nombreux. Because there are too many people. Et Jésus a un problème. Now Jesus has a problem. Il a besoin d'une estrade. He needs a podium. Et Pierre, and Peter, lui donne son estrade. Gives him a podium. Il résout le problème de Jésus. He solves Jesus's problem. Le problème de l'évangélisation. The problem of evangelism. Le problème de la pêche des âmes. The problem of fishing for souls. Jésus prêche. Jesus preaches. Et il sauve les âmes. And he saves the souls. Et lorsqu'il finit, and when he's finished, il s'occupe des problèmes de Pierre.
He takes care of Peter's problem. Il lui accorde une pêche miraculeuse. He gives him a miraculous fishing. Comme il avait résolu le problème de Jésus, since he solved Jesus' problem, c'est pourquoi Jésus est entré dans ses problèmes. That's why Jesus entered his problems. S'il n'avait pas résolu le problème de Jésus, if he did not solve Jésus problem n'allait Jesus, pas résoudre ses problèmes. Jesus would not have resolved his comme problem. Il a aidé Jésus à remplir sa barque céleste, c'est pourquoi Jésus l'a aidé à remplir sa barque terrestre. Because he helped Jesus fill up his spiritual, his celestial boat. Un rendez-vous du donner et du to fill up his terrestrial boat. This is an appointment of giving and receiving. Est-ce que je peux maintenant vous parler? Can I speak to you now? Il y a un président américain lorsqu'il a pris le pouvoir. There was an American president when he took power. Il s'appelle Kennedy. His name was Kennedy. Qu'est-ce qu'il a dit? What did he say? Ne demande pas. Do not ask. Qu'est-ce que l'Amérique fera pour moi? What America can do mais for qu'est-ce me? Que tu feras pour l'Amérique? But what will you do for America? Tout le secret est là. The secret is there. Oh, chère diaspora haïtienne. Oh, dear Haitian diaspora. Vous pouvez crier comme vous voulez. You can shout out the way you want. On ne s'occupe pas de nous. They don't take care of ils us. Ils n'entrent pas dans nos causes. They don't come into ils our ne font cause. Rien pour nous. They don't do nothing for us. Mais quand on touche les Juifs, but when they touch the Jews, ils interviennent directement. They intervene right away. Pourquoi? Why? Parce que les Juifs sont utiles. Because the Jews are ils ont des entreprises. They have businesses. Ils donnent le travail. They give jobs. Ils donnent des emplois. They give et quand tu les touches, l'Amérique doit intervenir. America must intervene. Pourquoi? Why? Le rendez-vous du donner et du recevoir. The appointment of giving and receiving. Donne-moi l'amen que je vous parle. Give me an amen so I can speak to you. Mes frères et sœurs. My brothers and sisters. Parlons de Joseph. Let's talk about Joseph. Joseph était dans une nation étrangère, l'Égypte. Joseph was in a foreign land, Egypt. Comment est-ce qu'il était la bénédiction pour son pays ou sa famille? How was he a blessing for his country or his family? Il a béni la maison de Potiphar. He blessed the house of Potiphar. Il va en prison. He goes to jail. Il a interprété le songe du panetier et de l'échanson. He interpreted the dream of the wine bearer and the cup bearer. Et il rencontre Pharaon. And he met Pharaoh. Il interprète le songe du Pharaon. He interprets the dream of Pharaoh. Il n'interprète pas seulement le songe. Not only il l'aide à gérer l'Égypte. He helps him manage il Egypt. Il sauve l'Égypte de la famine. He helped Egypt out of famine. C'est pourquoi this is why le Pharaon Pharaoh fait de lui un ministre, makes him a minister, mais le Pharaon but Pharaoh lui donne Goshen pour sa famille. Gives him Goshen for his family. Tu n'auras pas Goshen, you will not get Goshen si tu ne gères pas l'Égypte. If you don't manage Egypt, tu n'auras pas Goshen, you will not get Goshen si tu n'interprètes pas les rêves du Pharaon. If you don't interpret Pharaoh's tu dream, n'auras pas Goshen, you will not get Goshen si tu ne bénis pas la maison de Potiphar. If you don't bless tu Potiphar's n'auras house, pas Goshen you will not have si Goshen tu n'interprètes pas le songe de les chansons. Interpret the dream of the car c'est les chansons qui parlera de toi au Pharaon. Because the wine bearer will talk about you to Pharaoh. J'aimerais vous dire I want to tell you que l'Amérique that America n'entrera pas will not enter dans les problèmes de l'Haïti in Haiti's problem si vous n'êtes pas utile. If you are not useful. C'est le rendez-vous du donner et du recevoir. The appointment of giving and receiving. Pleurez comme vous voulez. Cry as you want. Faites comme vous voulez. Do whatever you want. Qu'est-ce qu'ils vont gagner à entrer dans votre guerre? What will they benefit to enter your cause? Ils ne sont pas nés de nouveau. They're not born again. Ce ne sont pas vos frères en Christ. They're not your brothers in Christ. Ils ne vont pas agir dans votre pays par compassion, mais par intérêt. They will not work in your country by compassion, but by interest. Par intérêt. By interest. Joseph ne s'est pas trouvé dans la cour du Pharaon par compassion. Il avait le potentiel. Il était utile. Il avait l'économie et la macroéconomie en main. Joseph didn't find himself in the palace because of my compassion, but he had the management, he had the wisdom, he had the economy and macroeconomics in hand. La prière ne suffit pas. Prayer is not enough. La prière ne suffit pas. Prayer is not enough.
Vous devez être utile. You must be useful. Vous devez interpréter les songes. You must interpret dreams. Vous devez interpréter les songes. You must interpret dreams. Des Américains. Of Americans. Des Canadiens. Of Canadians. Des Français. Of French. C'est alors que then ils entreront dans vos guerres. They will enter your wars. Vous devez les sauver de la famine. Save them from famine. C'est alors then qu'ils entreront dans vos guerres. They will enter your wars. Vous devez être utile. You must be useful. C'est alors then qu'ils entreront dans vos combats. They will enter your fight. Vous devez apporter quelque chose. C'est alors then que vos intérêts vont devenir leurs intérêts. Your interest will become their interest. Tu n'entres pas dans mes guerres, tu veux que j'entre dans tes guerres. Pourquoi? You don't enter my war, you want me to enter your war. Why? C'est par reconnaissance. It is only by recognition que le pharaon a donné Goshen à Joseph. That Pharaoh gave Goshen to Joseph. Dans la parole, in the word, un seul exemple ne suffit pas. Only one example is not enough. Néhémie. Nehemiah a reconstruit la muraille. He rebuilt the wall. Comment? How? Il était les chansons du roi. He was the wine bearer of the king. Les chansons, c'est celui qui donne le vin au roi. The wine bearer, he takes care of giving the wine to et the le king. Vin est symbole de la joie. Wine is symbolic of joy. De sorte que le jour où Néhémie était triste, ça dérangeait le roi parce que c'est Néhémie qui donnait la joie au roi. So the day that Nehemiah was sad, it disturbed the king because Nehemiah was the one bringing joy. Et to le king roi ne pouvait pas supporter que celui qui donne la joie soit triste. C'est pourquoi il a aidé pour qu'il ait la joie afin de lui donner la joie. And the king did not like that the one who gives joy did not have joy. That's why he helped him so that he can come back and give him joy. Il a signé. He signed pour qu'on puisse tout lui donner. So they can give him everything. Qu'on ne le dérange pas. That they don't bother pourquoi him. Pourquoi? Parce que si Néhémie est dérangé, le roi est dérangé. Because if Nehemiah is disturbed, the king is disturbed. Donnez la joie à cette nation. Give joy to this nation. De sorte que quand vous êtes triste, so that when you are sad, elle devient triste. This nation et elle doit entrer dans votre tristesse pour vous donner la joie. So it must enter your sadness. Donnez la joie aux États-Unis. Give joy. Donnez la joie au Canada. Give joy. Donnez la joie à la France. Give joy. Partout où vous êtes déporté. Wherever you are deported. Donnez la joie. Give joy. Alléluia. Esther. Esther. Elle a plaidé la cause des Juifs qui devaient mourir. She pleaded the cause of the Jews that were to die. Vous pensez que toute femme pouvait se présenter devant le roi et demander ça? You thought any woman can come in front of the king and ask that? Il y avait une loi, tu ne pouvais pas t'approcher du roi sans qu'il t'appelle, sinon tu meurs. There was a law, you were not allowed to come in front of the king without being called, otherwise you would die. Même si tu es sa femme. Even though you are his wife. Esther a fait 30 jours, le mari ne l'appelle pas. 30 days, Esther's husband didn't call her. Mais son pays est en danger. But her land was son, in danger. Son peuple est en danger. Her people were in danger. Sans la permission. Without permission. Elle jeûne, elle prie. She fasted and prayed. Mais elle ne s'arrête pas jeûner, prier. But she didn't stop in elle utilise aussi le potentiel que Dieu lui a donné. She also used the potential. La relation her qu'elle avait avec le roi. The relationship she had elle with entre. She entered. Et il fallait que le roi la tue. And the king mais le roi lui tend le sceptre and the king et lui dit que veux-tu? What do you want? Même la moitié du royaume je te donne. Even half the kingdom I will et give. Elle demande and she asked que les Juifs soient armés that the Jews will be armed pour combattre. To fight. Pourquoi? Why? Le roi avait une femme insolente the king had an insolent wife. On appelait Vashti. Her name was Vashti, qui lui a manqué du respect. Who lacked respect. Et Esther, and Esther l'a consolé de cette mauvaise femme. Comforted him from that bad wife. Esther faisait sentir au roi qu'il était le roi. But Esther had the king feel as a king. Et il ne pouvait pas permettre que sa femme soit mal à l'aise. So he couldn't allow his wife to be bothered. Tu veux que le roi traite ton problème? You want the king to take care quelle est of la consolation brother? Que tu lui donnes? What comfort do you bring vous to voulez him? Que cette nation entre dans vos problèmes? You want this nation to quelle consolation vous leur donnez? What comfort do you bring où sont les Esther? Where are your où Esther? Sont les Néhémie? Where are your où sont les Joseph? Where are your Joseph? Où êtes-vous? Who? Where are you?
La Bible nous dit, the Bible tells us, une esclave, a slave, était dans la maison d'un général syrien. She was in the house of a Syrian general. Et le général avait la lèpre. And the general had leprosy. Il a vu le général se débattre, mais il ne pouvait pas être guéri. She saw the general fighting mais elle, elle avait un numéro de téléphone. But she had a phone number. Le numéro d'Élisée. Elisha's phone number. Et elle dit au général, she told the general, je connais un médecin, I know a doctor, qui peut traiter ta maladie. Who can take care of je connais sickness. Un prophète, qui peut traiter ta maladie. He can take care of your sickness. Et grâce à elle, and thanks to her, le général était guéri. The general was tu healed. Penses que si elle avait des problèmes, you think if you le général n'allait pas entrer. Il allait entrer. Pourquoi? La reconnaissance. She was gratefulness. Qu'est-ce que vous faites? What are you doing? Pour qu'il soit reconnaissant. For him, for them to be grateful. Car vous n'êtes pas le seul peuple qui souffre sur la terre. You are not the only people suffering on earth. Même les Mexicains qui sont dans ce pays, even Mexicans in this country, ils ont aussi des défis. They also have challenges. Mais je les vois partout. But I see them everywhere. En train de travailler. Working. Partout. Everywhere. Taxi. Cab. Dehors là-bas. Outside. Même des belles filles. Even nice women. Dans le froid. In the cold. Qui font la sécurité. They're doing security work. À l'hôtel. At the rempli hotel, de sourires. Full of smiles. Qui nous donne la nourriture. Giving us food. Qui arrange nos lits. Fixing our beds. Intégrés. Integrated. Totalement intégrés. Completely totalement intégrés. Completely integrated. Et quand tu les touches. And when you touch tu touches l'Amérique. You touch America. Une diaspora, a diaspora qui se réjouit seulement d'être aux États-Unis, that is only rejoicing to be in America, mais qui ne fait rien pour l'Amérique, but does nothing n'aura for America, pas l'aide des États-Unis. Will not get help from the United States. Aujourd'hui, today, l'Amérique est devenue comme Babylone, America is like Babylon, devenue comme la Syrie, it became like Syria, comme l'Égypte, as Egypt, comme la Perse, as Persia, la plus grande puissance mondiale. The greatest world power. Et quand Dieu élève une nation, and when God elevates a country, même si vous ne les voulez pas, even if you don't want c'est leur temps. It's their time. Même si vous ne le voulez pas, even if you don't c'est want leur it, temps. It's their même time. Si vous ne voulez pas, even if you don't fâche-toi. Get mad. Fâche-toi. Get mad. C'est leur temps. It's their énerve-toi. Get c'est upset. Leur temps. It's their time. Il y a eu le temps de Babylone. There was a time for Babylon. Le temps des Mèdes et des Perses. The time of Medes and le temps des Grecs. The time of the Greeks. Le temps des Romains. The times of Romans. Mais nous sommes au temps. But we are the time des États-Unis. Of America. Jésus a respecté cela. And Jesus respected that. Jésus parlait l'araméen. Jesus spoke Aramaic. Sa langue maternelle. His mother tongue. Un mélange de Perse d'Assyrien. A mix of Persian and Assyrian. C'était la langue parlée en ce temps-là. It was the word spoken at that time. Quand il étudiait when les Écritures, studying the scriptures, il les lisait en hébreu. He read them in Hebrew. Mais quand il fallait écrire le Nouveau Testament, but when they had to write the New Testament, ça a été écrit en grec. It was written in Greek. Parce que c'était les États-Unis de ce temps-là. Because they were the America of that time. C'était l'anglais de ce temps-là. It was the English of that time. Par stratégie. The strategy. Les apôtres, the apostles, n'ont pas écrit le Nouveau Testament en araméen. They didn't write the New Testament in Aramaic. Il n'y a que quelques phrases de l'araméen. Only a few sentences Eli, in Aramaic. Eli, Eli, sabbatani. Eli, Eli, lama sabbatani. Abba, Talita Kumi. Mais il n'y a pas beaucoup. But not much. Même le livre d'Hébreu n'est pas en hébreu, il est en grec. Even the book of Hebrew is not in Hebrew, it's in Greek. L'intelligence. Intelligence. La stratégie. Strategy. L'adaptation. Adaptation. L'adaptation. Adaptation. Vous parlez trop créole. You speak Creole too much. Vous parlez trop araméen, parlez grec, parlez grec, parlez grec, c'est les temps du grec. Comment tu peux être aux États-Unis, tu ne parles pas l'anglais, mais moi, ça fait quelques jours, je say good morning, God bless you, I need fire, you I need speak, power. You, speak, you need to speak Greek, you need to speak Greek, you need to speak Greek, this is the country where you are. Toi, tu es toujours bon Dieu à moi, bon Dieu à moi, bon Dieu à moi, bon Dieu à moi. Il y a un temps pour parler entre vous créole, mais lorsque vous allez à l'université, lorsque vous sortez, ne parlez pas ça, parlez anglais, adaptez-vous, vous aimez trop votre langue comme les Congolais aiment trop les Lingala. You are loving Creole too much, there is a time for you to speak Creole when you are together.
créole. Too much Creole. Parlez anglais. Speak English. Adaptez-vous. Adapt yourself. Ne restez pas contre vous. Don't remain between yourselves. Entre les Haïtiens. Entre les Haïtiens. Non. No. Ayez des amis américains, mexicains, vénézuéliens. Ayez des amis canadiens, français. Ouvrez les portes. Intégrez-vous. And integrate yourself. Sinon, otherwise, vous êtes comme un cancer dans le corps. You are like a cancer in the... Comme un cancer dans le corps. You are like a cancer. Comme un cancer. Like a cancer. Excusez-moi, moi je parle la vérité. I'm sorry, I have to speak the truth. Aujourd'hui, je vais vous parler à vous. Today I'm speaking to you. Entre vous seulement. Only among yourselves. Comment on va vous aider si vous n'êtes qu'entre vous? How are you going to get help if you're only among yourselves? Qui va savoir ce qui se passe au milieu de vous si vous n'intégrez pas les autres? Who will know what is happening among you if you don't integrate others? Qui va t'aider si tu n'entends pas ta langue? Who will help you if they don't understand your language? Car pour t'aider, je dois t'entendre. Because to help you, I must hear you. Vous savez quoi? You know what? Il fut un temps dans mon ministère. There was a time in my ministry. J'étais comme ça. I was like that. Je prêchais. I would preach. Et puis lingala, 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 lingala. And then lots of lingala in my sermons. Et les gens se plaignaient, même les Haïtiens, vous vous plaignez. Pasteur, lingala, parle français, so qui m'a déjà dit ça? And even you Haitians, you would write to me, pastor, speak, speak. J'ai fait l'effort. So I made an effort. Aujourd'hui, quand je vais en Europe prêcher, today, when I go to Europe preaching, des fois, le trois quarts de la salle, ce sont des blancs. Sometimes the three-fourths of the room are white folks. Je suis allé au Luxembourg. I went to Luxembourg. 90% de la salle. 90% of the room. Des Luxembourgeois. Luxembourgers. Je suis allé à Genève. I went to Geneva. Le trois quarts. Three-fourths. Des Genevois ou Genéviens. People from Geneva. Bien-aimé. Beloved. Il n'y a pas que l'Haïtien dans la vie. They are not only Haitians in life. Il n'y a pas que vous sur terre. You are not the only ones on earth. Ceux qui sont ici. Those who are here. Ont le pouvoir d'ouvrir des portes. They have the power to open doors. C'est leur temps. It's your time. Ont le pouvoir. You have power. De dire arrêtez ça. To start new things. C'est leur temps. It's your time. Un roi a signé. A king has decreed. Pour que l'homme spirituel Néhémie. So that the spiritual man Nehemiah puisse aller rebâtir la muraille de Dieu. Would go and rebuild the wall of God. Mais il avait besoin de la lettre. But he needed the letter. De quelqu'un qui n'est pas juif. From someone who was not Jewish. S'ils disent. If they say. Demain, il n'y a rien ici. Tomorrow, there's nothing happening. Il n'y aura rien. There will be nothing. Nous allons nous fâcher. We will get upset. C'est leur salle. It's their room. Mais voici. But behold. Quand tu vois un pharaon, when you see a pharaoh, tu peux croire qu'il est tout puissant. You think he's almighty. Alors qu'il a des cauchemars. But he gets nightmares. Quand tu vois un général syrien, when you see a Syrian general, dans son uniforme, in his uniform, tu crois que tout va bien, you see that all is well, alors qu'il a la lèpre. But he has leprosy. Regardez-les très bien. Look at them carefully. Ils ont beaucoup de problèmes. They have so many problems. Avoir des milliards, ce n'est pas tout. Having billions is not all. Ils ne sont pas heureux. They're not happy. Leurs familles sont détruites. Their families are destroyed. Les enfants n'écoutent pas les parents. Children don't listen to parents. Des divorces et des divorces. Divorces after divorces. Ils ont des belles maisons. They have nice houses. Mais ils sont seuls. But they are alone. Qui aurait cru? Who would have believed? Que Michael Jackson. That Michael Jackson. Pour dormir. Could fall asleep. Avait besoin de produits. Needed to sleep. He needed alors qu'en Afrique, but in Africa, les gens dorment dehors. People sleep outside. Profondément. Deeply.
Les lois sont en train de détruire leurs familles. Laws are destroying their families. Les hommes Men n'ont plus de pouvoir. No longer have power. On donne le pouvoir aux enfants. They are giving power to children. Le pouvoir à la femme. The power to women. L'homme n'est rien. The man is nothing. Leurs hommes ont besoin de vous. Their men need you. Des enfants drogués. Children, drug addicts. Toxicomanes. Addicts. Un jour, l'enfant se réveille. One day the child awakes. Il dit, je ne suis plus garçon. He says, I'm no longer a boy. Je suis une fille. Now I'm a girl. L'enfant sort. The child goes out. Garçon. Son. Il revient fille. He comes back girl. Il a fait la chirurgie. He did a surgical des problèmes. Procedure. Problems. Des problèmes. Problems. Que vous pouvez résoudre. That you can resolve. Cette nation pleure. This nation is crying. Cette nation crie. This nation is crying out. L'argent ne donne pas le bonheur. Money doesn't give les gratte-ciel ne donnent pas le bonheur. High ceilings les Ferrari ne donnent pas le bonheur. Ferrari doesn't give happiness. Les gratte-ciel ne donnent pas le bonheur. Mais Jésus que vous avez peut leur donner le bonheur. Happiness. Leurs enfants les jettent et les abandonnent. Their children cast them out and forget about them. Les jettent et les abandonnent. They abandon the parents. Les femmes manquent du respect à leur mari. Women lack respect to their husbands. Les hommes sont infidèles, adultères. Men are adulterous. Les enfants impolis. Children disrespectful. Combien pensent se suicider? How many think suicide? Dans mon pays, in my country, même si tu construis très haut, even if you build very high, tu n'as pas besoin de mettre de garde-fous. You don't need even to put any, personne any, ne pense se jeter. Nobody thinks about throwing themselves mais down. Ici, but here, il faut mettre des garde-fous. You must put security. Parce qu'ils peuvent se suicider. Because they could commit suicide. Ils peuvent se tuer. They could kill themselves. Regardez le jour où l'apôtre a prêché Maldonado. You see the day Apostle Maldonado preached. Combien how much sont dépressifs. Are depressed. Je suis allé au Canada. I went to Canada. Plein de fous. Many mad people. Des fous. Mad. Des fous. Mad. Ils ont des problèmes. They have problems. Une étude a été faite sur le Japon. A study has been done over Japan. On dit que dans 400 ans, le Japon va disparaître. They say in 400 years, Japan will disappear. Vous savez pourquoi? You know why? Ils travaillent tellement. They work so much. Qu'ils n'ont pas le temps de se marier. They have no time to get married. Ils n'ont plus d'enfants. They're no longer having children. Ils n'ont plus de sexualité. They no longer have sexual life. Ils préfèrent regarder les films manga que se marier. They rather watch mangas than get married. Au point où il faut les pousser à se marier. To the point they have to be encouraged to get married. Les gens se marient à 40 ans, 45 ans. People get married at 40, 45. Tu vas au Japon. You go to Japan. Tu commences à bénir de mariage. You begin blessing marriages. De 20 ans. 20, 18 ans. 18 years 21 old, ans. 21 le jour que tu as un problème. On the day you have a le problem, Japon va entrer dans ton problème. Japan will enter your trouble. Allez récupérer les drogués. Go get the drug addict. Prenez soin des drogués. Take care of the drug addict. Allez aider les gens qui divorcent. Go help people who are divorced. À se réconcilier. To reconcile. Je ne parle pas des Haïtiens. I'm talking about je Haitians. Parle des Américains. I'm talking about allez Americans. Aider les Américains. Ils ont besoin de vous. They need you. Car si vous êtes dans cette nation, because if you are in this seulement nation, pour profiter, only to benefit, c'est du parasitisme. It's parasitism. C'est du parasitisme. It's parasitism. Et on n'entre pas dans la guerre. And you don't enter a war. D'un parasite. Of a parasite. Parasite. Ouvrez des écoles. Open schools. Donnez le travail. Give jobs. Tu es haïtien. You Asian. Tu donnes le travail à un américain. You give jobs to Americans. Tu ouvres une école. You open a school. Et les américains tu dis là-bas. And Americans go to tu ouvres there. Un shop et tu donnes le travail à un américain. Open a store, you c'est ce que vous devez faire. That's what you should do. Donnez-leur la nourriture. Give them food. Donnez-leur la joie. Give them joy. Donnez-leur la paix. Give them peace. Donnez-leur la sagesse et l'intelligence. Give them wisdom and intelligence. Occupez-vous de leurs enfants. Take care of their children. Occupez-vous de leurs enfants. Take care of their children. Occupez-vous de leurs enfants. Take care of their children. Le développement de la technologie. The development of technology. Est en train de tout détruire, tout tuer. Is destroying everything.
des enfants ultra connectés. Children ultra connected. Avec des écouteurs. With earphones. Et des téléphones. And phone. Ils n'ont plus le temps. They don't have time. Pour leurs parents. For their parents. Pour personne. For anyone. Ils entrent dans des chambres. They go into rooms. Ils n'en sortent plus. They never come out. Ils vivent là-bas. They live in there. Ils n'ont plus besoin de papa. They don't need dad anymore. Il faut leur rappeler qu'il faut manger. You must remind them to eat. C'est ça la société dans laquelle vous vivez. This is the society you live in. Et vous pensez que vous êtes les seuls à avoir des problèmes. And you think you're the only ones who have troubles. Ils ont aussi des problèmes. They have troubles too. Leurs enfants ne leur parlent plus. Their children no longer talk to them. Ils préfèrent des écrans. They prefer screens. Que leur parler. To their talking to them. Vous n'avez pas que vous seul des problèmes. Not you only have problems. Lorsqu'on pense when we think être le seul à avoir des problèmes, to be the only ones who have problems, on tombe dans l'égoïsme. We get into egocentrism. Et quand vous dites nous avons des problèmes, and when we say we have problems, ils disent aussi sans le dire nous en avons aussi. But they're telling you without saying it, we also have problems. Si vous commencez à sortir leurs enfants des chambres. If you begin to get their kids out of the bedrooms, leur apprendre à parler à leurs parents. Teach them to talk to their parents. Ils voient leur enfant est venu ici. They see their child coming here. Quand il rentre à la maison. When he goes home. Bonjour papa. Hello dad. Comment tu vas? How are you today? J'aimerais te parler. I'd like to talk to you. Où est ton téléphone? Where's your phone? Le pasteur nous a enseigné qu'il faut déposer le téléphone et parler aux parents. And talk to the le lendemain, les parents seront là. Day, the les amis seront here. Là. Et seront là. Et le jour que vous allez dire qu'il y a une tempête chez vous, il est l'enfant peut-être d'un ministre. Maybe he's a child il ira dire à son père, he will tell his dad, j'ai entendu ceci. I heard this. Où sont vos connexions? Where are your connections? Où sont vos relations? Where are your relationships? Que faites-vous pour eux? What are you doing for them? Ce sont des êtres humains. They are human beings. Ce ne sont pas des anges. They are not angels. Ce ne sont pas des dieux. They are not gods. Ce ne sont pas des omnipotents. They are not omnipotent. Ce sont des humains. They are human. Ils ont des lèpres aussi. They have leprosy. Ils ont des questions. They have questions. Ils ont des rêves. They have dreams. Mais ils ne savent pas les atteindre. They cannot reach. Ils ont peur them. De la montée de la Chine. De la montée de l'Inde. Mais si tu vas les voir, if you go see them, j'ai eu la sagesse I had the wisdom pour développer votre économie. To develop your economy. C'est le mendiant it is the beggar qui fait toujours ça. Who always does this. Aidez-nous. Aidez-nous. Help us. Aide. Help. International. International. Aide. Help. International. International. Il y a un tremblement de terre. Aidez-nous. There is an earthquake. Help us. Les gangs, aidez-nous. Gang members, help us. On a faim. Aidez-nous. We're hungry. Help us. Rien ne va. Aidez-nous. Nothing is working. Construisez help nos us. Routes. Aidez-nous. Help us build our roads. Délivrez-nous help des mauvais politiciens. Aidez-nous. Deliver us from bad politicians. Help us. Eux aussi disent aussi. But they're also saying to you. Vous êtes heureux. You are happy. Non, on n'est pas heureux. We're not happy. Aidez-nous. Help us. Aidez-nous. Help us. J'ai remarqué une chose. I've noticed something. Nous, les Africains, we Africans, nous avons un mental extraordinaire. We have an extraordinary mental. Un mental d'acier. We mentally of iron. Et j'ai remarqué. And I've noticed. Que eux, des fois, sont fragiles. But eux, sometimes they are fragile. Vous savez pourquoi? You know why? De l'enfance. From childhood, il a tout. They have everything. Et quand il manque un peu, and when they lack a little bit, ça le dérange. It bothers them. Mais toi déjà dans l'enfance, but you, from childhood, on t'a dit, you've been told, contente-toi de cette jupe-là. Of this skirt. Contente-toi be content de ce pain-là. Of this bread. Et tu mets dans ta tête and you put in your head, que la vie ne sera pas toujours facile. Life will not always partagez-leur easy. Ce mental. With them, that mentality. Dis-leur, arrête de pleurer. Arrête de pleurer. Dieu vous a béni. God blessed you. Vérifiez. Watch. Ceux qui se sont intégrés. Those who integrated themselves. N'ont pas tes problèmes. They don't have your same problems.
Vérifie bien. Check on ceux that. Qui se sont intégrés. Those who integrated. Qui donne de l'amour, who give love, qui donne l'amitié, who give friendship, qui partage la connaissance, who share knowledge, n'ont pas les mêmes problèmes. They don't have the same problems. N'attendez pas qu'ils viennent vers vous. Don't wait for them to come to you. Allez vers eux. Go to them. Parlez leur langue. Speak their language. Frappez aux portes. Knock on the doors. Ne dites pas aide-moi. Don't say help me. Dites-leur je vais t'aider. Tell them I want to help you. Un jour, Bishop T.D. Jakes. Bishop T.D. Jakes. Il voit un pasteur, he saw a pastor, africain entrer dans son bureau. African pastor come to his office. Et lui dit, je suis venu te voir. He told him I came to see you. Afin de bénir ton ministère. That I may bless your ministry. Il dit quoi? He said what? Tu es qui? Who are you? Tu es africain? You African? Tu me demandes pas de t'aider à construire? You don't ask me non, to non, help non. You build? He said, je no. suis venu bénir ton ministère. I came to bless your ministry. Et assis-toi là. He said, sit down. Comment tu t'appelles? What's your name? Et il est allé prêcher chez Adé Farazi. And he went to preach over there. La main qui demande the hand that asks est toujours inférieure à celle qui donne. Is always inferior to the one that gives. On ne respecte pas la main qui demande. The hand that asks is not respected. Ça doit être donnant, 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 donnant. It must be give and take, give si and take. Je n'ai pas l'argent à te donner, if I don't have money to give je you, peux t'aider à gérer l'Égypte. I can help you manage je peux Egypt. T'aider à éduquer tes enfants. I can help you je peux t'aider spirituellement. I can help you spiritually. Je peux te donner de l'amour. I can give you love. Je peux te donner des connexions. I can give you connections. Je peux te donner de l'expérience. I can give you experience. Je peux I can. Te donner ce que j'ai. Give you what I have. Joseph n'a pas donné l'argent au pharaon. Joseph didn't give mais il lui a money. Permis de gagner l'argent. But he allowed him to make allez money. Les aider. Go help et them. Ils vous aideront. Them. Allez les aider. Go help them. Ils vous aideront. Then they will help you. Et le jour que vous marcherez, and the day you will march, on va dire qui marche. They'll say, who's walk, who's imaginez marching. Que les Juifs marchent aux États-Unis. Imagine the Jews marching in America. Le monde entier. The whole world. Va dire ils ont marché pourquoi? They said why they marched. Regardez la grande marche que vous avez faite. Look at the great march that you had. Des millions de personnes dans le monde entier. Thousands of people all over the world. C'est passé comme ça. But it's gone. Mais si c'était des chefs d'entreprise. But if it was business owners. Des grands acteurs de cinéma chrétien. Great actors of Christian cinema. Des grandes figures. Great celebrities. Il est temps. It is time que vous changez votre manière de fonctionner. Change the way you function. Et que vous réglez les problèmes du pharaon. That you may solve the problems le problème d'Assyrus. The problem of Assyrus. Le problème de Naaman. The problem of Naaman. Et il va faire une alliance avec vous. And he will have a covenant with enfin you. D'entrer dans vos combats. That he will enter your fight. Car la vie, because your life, ce sont les intérêts. Is about interest. Il faut être un enfant. You must be a child pour croire to believe qu'une grande nation, that a great nation peut entrer dans vos problèmes will enter your trouble rien que par compassion. By compassion. Frères et sœurs, brothers and sisters, soyez des professeurs dans ce pays. Be professors in this country. Donnez cours à leurs enfants. Teach their children. Frères et sœurs, brothers and sisters, j'aimerais terminer enfin que je prie pour certaines personnes. I would like to close so I can pray for some people. Redorer le blason terni de l'Africain. Rebuild again the tarnished mantle of Africa. Que lui ne vient que pour prendre. That he only comes to take. Changer cela. Change it. Changer cela. Change it. Et je vous assure, and I assure you, ils sont marqués. They will be marked. Il y a un peuple qui soutient mon ministère. There are people, there is a people that support on les appelle les gitans. You call them the gitans. Vous les connaissez? Do you know them? Ils ont des caravanes, ils font beaucoup de business yeah, en France. They have caravans and they do a lot of business in France. Le Seigneur m'a utilisé pour impacter leur communauté en France. And the Lord used me to impact their community in France. Et un jour, je rencontre l'un de leurs leaders. And one day I met one of their leaders. Il me dit, ton ministère he told me, your ministry a béni ma vie has blessed my life et toute ma communauté. And my whole community.
Je viens de prêcher à Paris. I just came from Paris dans l'une des plus grandes belles salles. In one of the biggest, nicest rooms. Je n'ai rien payé. I didn't pay anything. Ils ont tout fait pour moi. They paid for everything. Et là, and now, ils sont en train de louer un stade en France. They are renting a stadium in France. Pour que j'aille parler encore. So that I may go there and preach again. Pourquoi? Why? Le donner. Giving. Et le recevoir. And receiving. Est-ce qu'il y a un professeur ici? Lève la main. Is there a professor in the room? Lift wow. up your hand. Est-ce qu'il y a un médecin ici? Are there doctors here? Wow, tu les soignes. You take care of them. Est-ce qu'il y a un député ici? Is there a representative in the room? Est-ce qu'il y a un magistrat ici? Is there a judge in the room? Over there. Est-ce qu'il y a un homme d'affaires qui engage les Américains ici? Is there a business people here who hire wow. Americans? C'est ce qu'on doit faire. That's what we must do. Et plus on le fera, and the more we do it, plus ils entreront dans nos guerres. The more they will enter our wars. Mais si but if, nous prions seulement, we are only praying, mais nous allons sans rien vers eux, but we go empty-handed ils vont them, se moquer de notre Dieu. They will mock our God. Car n'oubliez pas, because don't forget, eux aussi connaissent la Bible. They also know the Bible. Et d'ailleurs, plus que nous. Actually more than us. Barack Obama. Barack Obama. C'est vrai, c'est un noir. True, it is a black man. Mais quel genre de noir? But what kind of black man? Totalement intégré. Completely integrated. Frères. Brothers. En étant en marge de la société. By being in the margins of society. On n'influence pas la société. You cannot influence the society. En étant toujours entre nous. By being always among us. On n'influence pas. You cannot influence. Sincèrement. Sincerely. Rarement, rarely, les gens qui restent que entre eux people who remain among themselves réussissent dans will, une terre étrangère. Will succeed in a foreign country. Souvent, ce sont ceux qui s'étirent it's mostly those who get et qui ont des amis d'ailleurs and who have friends from everywhere qui deviennent grands. They become great. Pourquoi? Why? Parce qu'il faut que tu expliques comment leur pays marche. Because you must understand how their country works. Allez apprendre l'anglais. Go learn English. Et je vous assure. And I assure you. Vous verrez la main de Dieu. You will see the hand of God. Vous irez avec eux dans votre pays. You will go with them to your country. Ils vont amener des gens qui vont construire. And they will bring people who will qui build. Qui vont bâtir. Who will build. Parce que vous avez bâti leur vie. Because you built their life. Un jour. One day. Un jeune garçon. A young man. Américain. An American. Qui a grandi à Kinshasa, who grew up in Kinshasa est parti aux États-Unis. He went to America. Des années après, many years later, il rentre he went back, chercher sa nounou looking for his babysitter à Kinshasa. In Kinshasa. Il était devenu costaud grand. He became a great big il cherchait man. Sa nounou. He was looking for his babysitter. Elle avait pris soin de lui comme c'était sa maman. She had taken care of him as though she was quand his la mother. Nounou l'a vu, but when the elle a pleuré. Saw him, she cried. Elle a, il a pris la nounou. And he picked her il up. L'a amenée aux États-Unis. He brought her to America. Pourquoi? Why? Elle lui avait donné l'amour d'une mère. She loved him like a mother. Donner de l'amour. Give love. Donner de l'amour. Give love. Donner de l'amour. Give love. C'est en donnant l'amour qu'on reçoit l'amour. C'est en donnant l'amour love. Qu'on reçoit l'amour. Ne dis pas love. Qu'est-ce que l'Amérique fera pour toi. Mais dis qu'est-ce que je ferai pour l'Amérique. Et l'Amérique s'occupera de toi. Il est temps que tu changes ta mentalité. Et que tu sors de la servitude. De l'esprit de demander. Il est temps que tu changes change ta manière de fonctionner et que manner. Tu saches que tu as quelque chose. Tu as quelque chose à donner. Haïti, tu as quelque chose à donner. Tu as quelque chose à donner. Il est temps que toi aussi tu aides. Il est temps que toi aussi tu soutiennes. Il est temps que toi aussi tu donnes des dons. Il est temps aussi que toi aussi tu guérisses les autres. Il est temps que toi aussi tu puisses transporter ce qui t'est transporté. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Donne-moi un amen. Dis à cinq personnes, fais quelque chose.
chose. Tell five people, do something. Fais quelque chose. Do something. Dis à cinq personnes, fais quelque chose. Tell five people, do something. Dis à cinq personnes, change de mentalité. Change mentality. Tu n'es pas un mendiant. You are not a beggar. Tu es un prince. You are a prince. Tu n'es pas un mendiant. You are a beggar. Tu es un prince. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un prince. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un prince. Tu n'es pas un mendiant. Tu es un prince. Alléluia. Pierre a dit, je n'ai ni or ni argent, mais ce n'est pas que je suis pauvre. C'est que j'ai la sagesse, wisdom, l'onction, l'amour, love, l'excellence. Excellence. Je te le donne. Je te le donne. Il y a des nations, nations qui n'ont pas l'argent, mais qui ont que l'hospitalité et qui se développent. Il y a des nations qui n'ont pas l'argent, mais qui gardent l'argent des autres, mais qui se développent. Il y a des nations qui n'ont pas l'argent, qui n'ont que le tourisme et qui se développe. Vous avez le pétrole, vous avez l'or, vous avez le café, vous avez le sucre. Frères et sœurs, vous n'êtes pas des pauvres. Vous n'êtes pas des pauvres. Arrêtez la politique de la main tendue. Politique de la main tendue. Il est temps de faire donnant-donnant. 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 Haïti, tu as quelque chose à donner au monde. Écoutez-moi. Je ne vous flatte pas. Vous êtes parmi les grands intellectuels dans le monde. Il fut un temps. There was a time. Nos professeurs à l'université au Congo, c'était des Haïtiens. Our professors were les Haïtiens donnaient cours au Congo. Professors were from Haiti. Vous êtes un peuple intelligent. You are smart people. Vous êtes un peuple qui étudie. You are people et study. Qui aime étudier. Educated. Vos femmes sont intelligentes. Your women are intelligent. Vous n'êtes pas n'importe qui. You are not just vous n'êtes pas des mendiants. You are not vous n'êtes pas des mendiants. You are not vous n'êtes pas des mendiants. You are not beggars. Comment un peuple, how can a people, avec autant d'intellectuels, so much intellectuals, autant de savants, so much savants, vous vivez comme des mendiants? You live like beggars. Non, refusez ça. Refuse it. Dites ça à vos enfants. Tell your children. Aux enfants de vos enfants. Aux enfants de vos enfants. Et aux enfants de vos enfants. Gardez la fierté. Gardez la fierté. Tiens-toi bien debout. Gardez la fierté. Marchez la tête haute. 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 Walk with your head up high. Regardez un homme de Dieu que Dieu vous donne. Look at the man of God God has given you. Le Bishop Grégory Toussaint. Bishop Gregory. Il a quelque chose à envier un Américain. Does he envy anyone? Il a quelque chose à envier. Can he envy anyone? Il a quelque chose à envier. Rien du tout. Nothing. Allez les aider. Go help them. 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 Allez leur donner. Go give them. Ce que Dieu vous a donné. God has given you. Et lorsque vous le ferez. When you will do it. Et que vous pleurerez. And then you will cry out. Ils diront. They will go. Nehemiah. Pourquoi tu es triste? Why are you sad? Joseph, Joseph a permis à Jacob de voir le pharaon. He allowed Jacob to meet Pharaoh. Jacob a vu le pharaon. Jacob saw the Pharaoh. L'homme le plus puissant de la terre. The most powerful man on earth. Parce que son fils, because his son, nourrissait le pharaon. Was feeding Pharaoh. My...
Jacob a causé avec le pharaon. Jacob spoke to Pharaoh. À cause de l'intégration de Joseph. Because of the integration of Joseph. Tu prends ton père. You take your father. Il vient ici. He comes here. Tu es un magistrat. You are a judge. Et tu dis, papa, you say, Dad, tu aimerais visiter mon bureau. Would you like to offer? Et ton papa vient. And your father comes. Mon fils. My son. Vraiment mon fils. Really, my son. Donnez ce plaisir à vos parents. This pleasure to your parents. Donnez ce plaisir à vos enfants. Give your parents, your children, this pleasure. Dites à vos enfants. Tell your children. Qu'ils ne sont pas ici pour mendier. They are not here to beg. Ils sont là pour donner. They are here to give. Et ils ont des choses à donner. And they have things to give. Beaucoup de choses à donner. Many things to give. Vous êtes des grands professeurs de mathématiques. You are great mathematicians. Dans les choses, les sciences exactes, vous êtes terribles. In exact sciences, you vous avez des choses à donner à l'Afrique. You have things to give Africa. Un peuple résistant. A resistant people. Résistant vous êtes. Resistant you are. Résistant. Resistant. Une capacité. A capacity. D'aimer Dieu. To love God. Mais dans les moments difficiles. Even in the hardship. Ça c'est une richesse. That's a richness. Dubaï un désert. Dubai was a desert. Le monde entier va à Dubaï. Now the whole world goes to Mais Dubai. Un désert. But it was a desert. Quand j'ai regardé votre pays. When I looked at your country. Pourquoi vous êtes concentré que sur le tremblement de terre? Why are you so focused on earthquakes? C'est un paradis. It's a paradise. C'est un paradis. It's a paradise. Il y a aussi des tremblements de terre au Japon. There are also earthquakes in Japan. Construisez des maisons qui bougent avec le tremblement. Build houses that move with earthquakes. Intellectuals. Fabriquer. Build. Un système qui prévient les tremblements de terre. A system that prevents earthquakes. La population a un mois. The population 1 month. Pour dégager de là. To move out of there. Construisez des maisons. Build houses. Qui ne tuent pas lorsque ça s'effondre. That don't kill when they fall down. Ici aussi ils ont des tempêtes. Here too they have. Ici aussi ils ont des tempêtes. Here too they have. Mais leurs intellectuels. But they are intellectuals. Se sont mis ensemble. They came together. Vous avez quelque chose à donner. You have something to give. Vous n'êtes pas pauvre. You are not poor. Elle était esclave. Having been slaves. Mais elle avait pitié d'un général. She was a slave, but she was pitying a general. Elle était esclave. She was a slave. Mais elle était supérieure au général. But she was superior to the general. Parce qu'elle avait une connexion. Because she had a connection. Que le général n'avait pas. That the general didn't have. Mes frères et sœurs. Brothers and sisters. Vous êtes venus ici. You came here. Pour aider l'Amérique. To help America. Pas pour que l'Amérique vous aide. Not so America can help you. Même cette atmosphère spirituelle, even, s'il y avait des démons ici, ils sont anéantis, n'est-ce pas? Even the spiritual atmosphere, if there were demons here, they would be annihilated. Mais n'aidez pas que spirituellement. But don't know that spiritually. Aidez matériellement. Help also materially. Économiquement. Economically. Socialement. Socially. Intellectuellement. Intellectually. Politiquement. Politically. Et ensuite demandez-leur. And then ask them. Que vous voulez aussi voter en Haïti. That you want to vote. Il est temps que la diaspora haïtienne. It is time for Haitian puisse voter aussi au pays. Puisse voter aussi au pays. Puisse voter aussi au pays. Vous devez voter. You must vote. Vous devez voter. You must vote. Un jour, une femme est en train de prier. One day, a woman was praying. Le pasteur dit que chacun prie avec son voisin et dit à ton voisin ton problème. And the pastor said, everyone et puis, pray with your neighbor, tell prie so pour she, moi. She tells her neighbor, hier, je suis allé dans telle entreprise. Because I went to such business. Et on m'a refusé. And I wasn't accepted. Et la personne dit, où quelle entreprise? And the person said, which company? Je suis DG là-bas. He says, I'm a director there. J'exauce ta prière. I can answer your prayer.
Lorsque vous allez monter dans cette nation, when you will arise in this country, vous exaucerez les prières de vos propres frères. You will answer the prayers of your own brothers. Vous allez travailler qu'ils puissent avoir les papiers. You will pray so they can get work. Ils n'auront plus peur. And they will no longer be afraid. Car lorsque Joseph devient grand, because when Joseph becomes great, Judas va manger. Judah will eat. Lévi va manger. Levi will eat. Et si Lévi mange, and if Levi eats, Moïse va naître. Moses will be si born. Judas mange, if Judah eats, David va naître. David will be et born. Si David naît, and if David is born, Jésus viendra. Jesus will come. Frères et sœurs, brothers and sisters, ne négligez pas do not neglect de réussir, to succeed, car because vous engendrerez un leader. Sauvera votre pays. Who will save your country? Dis à ton voisin. Tell your neighbor. Tu n'es pas n'importe qui. You are not just anybody. Tu n'es pas un vase vide. You are not an empty vessel. Tu es intelligent. You are smart. Tu es sage. You are tu as le Saint-Esprit. You have the Holy tu es courageux. You are courageous. Tu es un homme fort. You are strong. Tu es une femme forte. You are strong woman. Vous n'êtes pas des mendiants. Vous êtes riche. You are rich. J'aimerais prier pour tous les Néhémies. I would like to pray for all the Nehemiahs. Tous les Josephs. All the Josephs. Tous ceux qui aident déjà cette nation, all venez devant. Those who are already helping this nation. Je vais prier pour vous. I will pray for you. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Oh, acclamons le Seigneur. Clap unto the Lord. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Ce que nous voulons, c'est toi. Wow. Ce que nous voulons, c'est toi. Descends sur nous comme une pluie, une brise légère, dans la douceur de ta présence, ta nuée nous entoure, ta nuée nous entoure, ta présence nous entoure, ta présence nous entoure. Wow, je suis fier de vous. Je suis fier de vous. I'm proud of you. Fier de vous. Proud of you. Fier de vous. Proud of you. Étendez ce que vous faites. Extend what élargissez you do. Cela. Extend touchez what you 10. Do. Touch touchez 20. Touch 20. Touchez 100. Touch 100. Touchez 1000. Touch 1000. Touchez 10 000. Touch 10,000. Touchez 1 million de personnes. Touch a million people. Que votre influence dans cette nation grandisse. Let your influence que votre influence dans cette nation grandisse. 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 Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Tenez-vous les mains comme une armée. Hold hands like an army. Les mains. Your hands. Oui, levez les mains. Lift them up. Voici un conseil que je vous donne. Here's an advice I'm giving you. Qu'il n'y ait pas de rivalité entre vous. Let there be no rivalry among you. Pas de compétition. No competition. Car des fois, because sometimes la diaspora tombe dans un piège. Diaspora falls into a pit. La rivalité. Rivalry. Qui est l'Haïtien le plus puissant? Who is the Haitian the most powerful? Le plus riche. Or the richest. Le plus. Or the most. Non. No. Ce n'est pas ça le but. That's not the purpose. Faites ça ensemble. Do it together. Moi, je vends le pain. I sell bread. J'achète ta farine. I buy your flour. J'ai fait des vêtements. I make clothes. J'achète ton tissu. I buy your material.
J'ai un cabinet médical. I have a doctor's office. Mais je ne suis pas dentiste. I'm not a dentist. Quand quelqu'un vient pour les dents, j'ai dit non, je connais un autre qui soigne les dents. If somebody comes for teeth issue, I tell them no, I know someone who does a dentist. Quand l'entreprise de l'autre chute, when somebody's company falls tu ne te réjouis pas. Don't rejoice. Tu viens l'aider. You come help them. C'est comme ça que les Juifs, this is how the Jews, sont forts, are strong, sont puissants. Mighty. C'est comme ça que les musulmans, this is how Muslims, sont forts, are strong, et sont puissants. And they are powerful. Ne vous rivalisez pas. Don't be rivals of one another. Ne vous jalousez pas. Don't be jealous of one another. Ne vous combattez pas. Don't fight one another. Jusqu'aux États-Unis. Even in America. Vous vous jalousez. You're jealous of each other. Vous vous critiquez. You criticize each other. Vous désirez la chute des autres. You desire the other person's vous vous réjouissez fall. Des malheurs des autres. You rejoice of somebody's misery. Vous amenez vos luttes you bring your que struggles vous aviez en Haïti jusqu'ici. That you had in Haiti all the way here. Quel échec. What a shame. Arrêtez ça. Stop that. Arrêtez ça. Stop that. Arrêtez ça. Stop that. Aimez-vous. Love one another. Soutenez-vous. Support one another. Protégez-vous. Protect one another. Et vous serez puissant. And you will be powerful. Vous serez respecté. You will be respected. Et on entrera dans vos guerres. And they will enter your wars. Soyez bénis. Be blessed. Béni. 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 Au nom de Jésus. 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 Au revoir. Goodbye. Et nous nous reverrons. And we'll see you again. L'année prochaine. Next year. Si Jésus ne revient pas. If Jesus doesn't return. Thank you.